ces deux, ouais, ces deux monuments. Au prochain arrêt de jeu, Lionel Nallet devrait quitter la pelouse de Jarre. Merci Philippe, parce qu'on n'a pas raté l'un des événements de la journée. Là, ah, bon, regardez comment il va rafuter Aubin Louébert. Une fois, deux fois, le dernier essai de Lionel Nallet en guise de cadeau, d'offrande et d'adieu à ce monumental deuxième ligne. Aubin Louébert lui dit peut-être en rigolant, oui, j'ai pas forcément cherché à te plaquer, mais en même temps, si j'avais voulu le faire, peut-être que t'aurais explosé, c'est ce qu'il lui a dit. Et comment mieux terminer un jubilé que par ces accolades de la part de Brumio aussi, qui s'est joint à la fête. De Jaouer, le sourire, les yeux malicieux de Sébastien Chabal. Les adieux d'un joueur de devoir, Lionel Nallet, 74 sélections. Naluche, comme le surnomme ses amis. Voici Pierre Martinet qui a rejoint Chabal sur le bord de la pelouse, l'ancien président de Bourgoin. Ici, quasiment sur leur terre, près de Beauvallon, de Valence, d'où est originaire Chabal, près de Bourg-en-Bresse. Et Nallet, sourire en coin pour ce dernier essai, malgré l'opposition d'Aubin Weber. Belle image, très très belle image. Et c'est terminé, non ? Et je pense que oui, c'est sur cet essai, sur cette image, que ce jubilé va se terminer sur un score qui restera de l'anecdotique. Mais le plaisir qu'auront pris tous ces joueurs, tous ces hommes à batailler ensemble une dernière fois sur cette pelouse de Gerland. Il est temps de dire au revoir à Sébastien Chabal et à Lionel Nallet, à les remercier pour leur carrière, à ce qu'ils ont tous les deux apporté au rugby. Alors promettre une belle reconversion, une belle deuxième vie après le rugby et une belle...